On met que 3 pour avoir voté. Hey. La carte est faite. Je vote pas ici. Ah ok, d'accord. Chris, si on peut filmer le président d'Amboulin, c'est en direct. Ouais, c'est fait. Je suis là, moi je vais voter, c'est bon. Madame, vous avez raison. Non, tout ça, c'est pas là-bas. Si c'est bien, viens ici. Phare de la République, ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai voté calmement, au bureau de vote oui, pour entrer. Les policiers que Tshisekedi a commis à cet effet m'ont fait des problèmes. Je ne peux pas comprendre que la police de la République soit instrumentalisée pour les comptes de l'individu. Mais vous avez vu la réaction du public. Et nous attendons ce résultat. Merci beaucoup. Êtes-vous content de votre histoire? Vous n'avez pas suivi la campagne? Vous avez vu comment j'ai été accueilli partout? Les images bien trafiquées, l'affluence partout. Vous avez vu Vira? Vous avez vu Mounia? Vous avez vu Boutembo? Vous avez vu Bukavu? Je ne cite que ces villes de l'Est. Vous avez vu Beni? Vous avez vu Oisha? Vous avez vu Kisangani? Qui a fait mieux? Qui dit mieux? Et maintenant, ils se sont préparés pour tricher. Nous irons jusqu'au bout. Et j'ai dit au peuple congolais, pas de tricherie. Et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire, vous avez l'article 64 que la Constitution vous a donné. Et nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple. Président, la CENCO, hier, annoncé, on va annoncer aussi les résultats parallèles de la CENI.
si le résultat est différent de la CENI, quelle sera votre réaction? Mais nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation CENCO et CC. Il faut une tabulation parallèle des résultats. Et qu'on sache exactement qui a gagné. Et nous sommes totalement d'accord. Je n'ai pas suivi le résultat de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle qui sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Mais c'est bien, aujourd'hui on a interdit certains observateurs internationaux, entre autres ceux de l'Union européenne, mais également ceux de l'Union africaine. Comment vous observez cette interdiction d'attribution des observateurs internationaux? Interdit. Effectivement, oui. Mais je sais là, ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils ont interdit. Donc, vous voyez que ces élections ne sont pas des élections, mais un simulacre de l'élection. Nous avons